au Balto, un petit bar sympathique de Saint-Germain-des-Prés, un des derniers endroits où on peut être cool, décontracté, rester assez longtemps. J'attends ma coéditrice Nathalie qui doit arriver d'une minute à l'autre. Attends, qu'est-ce que tu fais là, tu vas rien mettre en ligne avec moi. Ah, c'est vrai, d'accord, ok, bon, je vais rien mettre en ligne. Bon, j'ai rencontré ma coéditrice, elle ne voulait pas être filmée, rien de particulier, mais on continue à avancer. En plus, il fait froid, c'est pas génial, mais bon, allez, il faut garder la pêche. Et... resto, là, j'ai mangé tout à l'heure ce resto, c'était... vraiment pas terrible. En plus, la serveuse est aimable comme une porte de prison. J'ai réussi un petit peu à la dérider, mais c'était vraiment une grosse entreprise. Bon, je pense pas que je reviendrai ici. Déjà aux États-Unis, il y avait déjà des youtubeurs qui faisaient le... J'étais plus en avance qu'eux en fait. Hein. J'étais en 2007. Comment ? J'étais en 2007. Ah non, moi j'ai commencé en fait en 2003, vous imaginez ? Ouais, et en 2003, on travaillait avec des Macs hyper lents, c'était l'enfer pour monter. On mettait une journée pour monter 2 minutes. Et après, les appareils ont commencé à s'améliorer. Moi j'avais commencé avec une caméra Sony en fait. Hein. Et, ouais. Et elle était lourde. Hein. Elle était lourde. Hein. Et c'est vrai que j'étais l'un des premiers. D'ailleurs, ce concept d'aborder des jeunes femmes dans la rue, personne ne l'a fait, hein, quoi, pratiquement. Pas, non, c'était pas, génial. Pas, en plus, on ne savait pas trop si c'était préparé, si c'était pas préparé, si c'était spontané ou pas. Ah ouais. Et c'était rigolo, c'était à jouer le jeu. Et puis, mais c'est incroyable que vous veniez me parler de ça. C'est absolument incroyable parce que. Et je me souviens plus de la voix. Ouais, mais parce que je montrais pas mon visage en plus. Et comment vous m'avez reconnu ? Ah si. Enfin, vers la fin, vers la fin. Mais au début, je ne montrais pas du tout. Il y avait plusieurs concepts, il y avait même un concept, je sais plus, c'était. J'avais une discussion dans un café, c'était... Oui, exactement, mais j'ai fait 800 vidéos. Hein. Non, mais il y a... justement, il n'y avait pas longtemps, je me suis dit, tiens, je me suis souvenu des débuts de YouTube c'était... Il n'y avait vraiment personne, quoi, par rapport à aujourd'hui, où il y a 24 heures par seconde qui est mis en ligne. Ah, mais complètement. C'était... toutes les idées étaient bonnes, tout était neuf. Ouais. Et je me demandais ça, et j'avais pas réussi à vous retrouver, des vidéos. Ouais. Et puis là, je me suis dit, tiens... C'est vraiment votre QG. Oui, absolument. Et là, je vais recommencer. Justement, là je recommence un nouveau concept qui est de me filmer moi-même. Et après, de faire intervenir des gens dans le champ, en fait. C'est-à-dire, de façon beaucoup moins intrusive que je l'étais avant, parce que c'était très dur ce que je faisais. Mais en même temps, c'est bien parce que. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus l'habitude et je trouve que les choses ont changé. Mais j'ai pas envie de vous faire louper des occasions, là. Non, mais vous me faites rien louper du tout. Par contre, je dois prendre mon métro si vous voulez marcher un petit peu. Ouais. Non, c'est pas ça, vous avez toujours la pêche, vous avez toujours l'idée. Ouais. J'ai fait plein de choses, j'ai écrit en fait des romans pendant plusieurs années. C'est ça, c'est-à-dire que là c'est un paramètre qui a changé. C'est-à-dire que voilà, maintenant je suis avec lui, là c'est mon assistant. Ah, puis il est tout jeune. Non, il n'est pas jeune, il a 15 ans. Mais il est très. Il fait jeune. Il fait jeune, ouais. C'est ça. Ah, il fait chaud, ouais. Il fait chaud et il est chiant aussi. Parce que. Il s'arrête tous les 30 secondes. Donc là du coup, c'est pas vous qui me faites rater des occasions, c'est lui. C'est un goutte à goutte. Ouais. Mais ça dépend. Parce que aussi, il m'en fait réussir. C'est-à-dire que. Ouais. Ça bouille. On a tout dans le temps. Ça change la manière de fonctionner, quoi. Mais j'imagine que quand il y a la fameuse semaine de la mode, là, il y aura plus de filles à accoster. C'est sûr, mais de toute façon, les événements, c'est toujours bien. C'est pour ça que j'allais dans les galeries d'art. Là, je vais recommencer un concept dans les restaurants. Parce que j'ai... Ah oui, c'est génial. Ouais. C'est une époque, quoi. Ouais. C'était tout à fait nouveau. Je vais vous laisser. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. Je vous verrai. N'hésitez pas à revenir. Sur
Alors sur YouTube maintenant, je suis sur, j'ai réouvert la chaîne Zéro TV. C'est Zéro TV. Voilà, c'est ça. Et sur Dailymotion aussi. Et je sors une troisième chaîne aussi qui est By Courtesy, parce que j'ai lancé un magazine qui s'appelle By Courtesy. C'est un magazine d'art, de lifestyle. Voilà, enfin je fais plein de choses. Mais je trouve ça incroyable que vous m'ayez parlé, vous avez une bonne mémoire en tout cas. Oui. Ouais. Non, mais j'avais vraiment aimé le... Et alors vous faites quoi dans la vie? Oh, ben, moi je suis un touriste. Vous êtes un touriste? Je suis un touriste de la vie. C'est vrai, bah, c'est bien. Et, j'ai pourvu que ça continue. Ouais, bah, en tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez toujours là et je vais regarder sur YouTube. Votre nom c'est comment? C'est Didier. Didier. Enchanté. Mais vous faites quand même des choses, vous êtes plutôt créatif, non? Oui, je sais faire, rien de précis, vraiment. Rien de précis. Mais j'aime bien aussi regarder, quoi. Je suis assez spectateur aussi. Ouais. Il faut se nourrir, hein, de toute façon. Ouais. Hein. C'est comme ça qu'on invente. On n'a pas assez de 24 heures. Ouais, c'est vrai, exactement. Ingurgiter tout ce qui se présente. Les journées sont très courtes, hein, mais bon, si on les remplit, c'est déjà bien. Hein. On aura l'occasion de se retrouver. Ouais, ouais. Avec plaisir, Didier. Merci. Hein. Ok, merci à vous, hein. Au revoir. Bon, ben voilà, une journée un peu étrange où on pense qu'il ne se passe rien. Et puis au moment où vous pensez que tout est foutu, ben il se passe quelque chose. Il y a quelqu'un qui surgit nulle part, qui vous a reconnu. Et qui s'est souvenu de choses que vous faisiez il y a 8 ans ou 10 ans, qui a reconnu votre voix, hein, beaucoup plus que votre visage. C'est absolument incroyable. Donc finalement, rien n'est jamais perdu et tout reste dans l'imaginaire collectif. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer. Tout ce que vous avez fait vous servira un jour. Donc continuez, quoi que vous fassiez, les choses sont reliées. Il y a une histoire qui s'écrit en permanence.